Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette petite chaîne. Et oui, actuellement, on est sur Genshin Impact. Ça fait très longtemps que j'avais pas allumé le jeu, pour être tout à fait honnête avec vous. Ça doit faire au moins 2 mois. Aujourd'hui, il y a Ito qui sort et on célèbre ça sur Twitch tranquillement avec tout le chat. Voilà, ils vont dire coucou maman, coucou la télé, etc. Alors comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Genshin. Je vous avoue que le perso a l'air stylé. Après, je sais pas si je rejouerai ou pas. Peut-être si j'ai beaucoup de chance, on sait pas. La dernière fois que j'ai dit ça, j'ai pas drop, donc on verra bien. En tout cas, ça fait plaisir de faire une petite vidéo. Ça faisait bien longtemps. Et bah, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir un peu comme ça. N'hésitez pas à passer d'ailleurs sur Twitch pour la plupart. Bon, pour le coup, vous verrez pas beaucoup de Genshin, mais on fait plein d'autres choses. Si jamais vous voulez passer faire un petit coucou, etc. Ça fait pas mal plaisir. Et du coup, comme vous le voyez, on a donc les 8700 primogèmes qui sont prêtes pour aller chercher ce petit Ito. Alors au niveau de l'historique, on va regarder, on en est où. On a tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pages si je me trompe pas. Ouais, 8 pages, donc on a Raiden après, donc on va avoir tout simplement une pitié à 49, si je sais encore compter. Donc 49 de pitié, on a des invocations à hauteur de 3200, on a 4 multi, voire 5. Donc normalement, on aura une pitié. Normalement, on aura une pitié, c'est une pitié 1 sur 2 comme vous voulez, parce que j'ai pas invoqué depuis Raiden. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus du coup, pour ce petit retour, voilà, ce petit test, et à voir si le petit Ito va pointer le bout de son nez. Si jamais on a de la chance, on ira peut-être lâcher quelques singles sur le portail arme. Bon, je vous avoue que si j'ai Ito plus l'arme, je suis obligé de faire un retour en fanfare, mais j'y crois pas tellement. Après, faut toujours y croire, faut toujours y croire. Mais du coup, d'ailleurs, comme vous l'avez vu, j'ai une petite chaise Genshin là. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais du coup, elle est incroyable. J'ai tout, j'ai la chaise Genshin, j'ai tout eu en retard, mais j'ai tout eu. Enfin, il y en a pour pas mal d'argent au niveau de cette place. C'est un truc de fou. Et c'est super cool. Donc, on va lâcher. Allez, la petite Muchi. Let's go. C'est parti. Pour avoir notre petit Ito. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ouais, un petit Goru, ça serait sympa. Xiangling, je l'ai déjà, c'est 6. Double 4 étoiles. Dommage que il n'y a pas Goru dedans, mais double 4 étoiles, première multi, c'est pas mal pour le coup. Ça fait tellement longtemps les petites animations là. Ça fait fort longtemps. Ok, du coup, ça nous fait 2 singles en plus. Sachant qu'on les avait déjà, ces 6. Et c'est parti pour la deuxième multi. Et le petit Goru qui tombe à la deuxième multi. Toujours autant de chance avec les 4 étoiles, c'est assez cool, il tombe assez vite. Donc ça fait plaisir, le petit Goru. Maintenant, il manque plus que son compère Ito là, parce que les deux sont vraiment incroyables. En plus, vous savez que j'adore Albedo et que j'ai Zhongli, c'est 2. Donc une team full Géo, j'adorerais la faire. Donc ça serait pas mal que le petit Ito pointe le bout de son nez là. Alors là, je suis à combien de pitié? Du coup, j'ai fait 2 multi, j'étais à 49. Je suis à 69 de pitié si je sais encore compter. On va continuer ça en single pour essayer de le faire tomber sur la soft. On va continuer en single pour essayer de le faire tomber sur la soft. No cap, c'est fait shaft sévère sur Goru. Ah ouais? Bah courage au frérot alors. Courage, espadon de fin bonus. J'espère en tout cas que vous avez de la chance, vous les mecs, si vous avez invoqué. Et j'espère qu'on va en avoir également, d'ailleurs. J'espère qu'on va en avoir également. Parce que, bon, en vrai, ça me ferait plaisir quand même d'avoir ce petit Ito qui tombe dans la box. En plus, un doublon de Goron en plus, là. Est-ce que c'est annonciateur du prochain 5 étoiles qui va arriver ou pas? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe ou pas? Là, je crois qu'on commence à être sur la soft. On doit être à la 76e. Alors, par contre, si on n'a pas de 5 étoiles là sur les 5 prochaines singles, c'est une catastrophe. Mon cœur bat. Ça fait très longtemps que je n'ai pas invoqué, mais toujours la même sensation. Mon cœur qui bat très très vite. Allez, s'il te plaît. Ito. Ah là, on est à combien là?
On a, je crois qu'il reste deux singles avant de sortir de... Ah! Est-ce qu'on devrait aller jusqu'à la Hard Pity ou pas? Est-ce qu'on devrait aller jusqu'à la Hard Pity ou pas? Ça sent pas très bon, ça. Ça sent pas très très bon. Ça sent pas très très bon, ça. Allez, tous en cœur, les mecs, dans le chat. Ito, 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 Ito. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru. Le 4 étoiles qui arrive. Et une Xiangling encore. Ouais, ouais, je sais que j'ai une multi avec les astéries. Vous inquiétez pas, j'ai calculé. Let's go! Petit Tito qui est tombé, ça fait plaisir. Le petit 1 sur 2 qui est gagné ce soir. Ça fait plaisir, ça donne le sourire. Ça donne le sourire. Le petit Tito qui est là, bon, qui rentre au bercail, ça fait putain de plaisir pour le coup. Nickel ça. Ça fait nickel. Alors, Miskin, il date de quand le message? J'ai pas regardé, mais je crois que ça doit faire 500 ans. Mais je suis désolé, je regarde jamais les MP sur Genshin. Mais bref, on a eu tout du coup. Et ça fait grave de chez grave plaisir. Alors, on a ça à récupérer déjà. Voilà. Voilà. On a ça à récupérer également. Vous savez quoi? On va tout prendre. On va tout prendre. On fait la totale. Et vous savez ce qu'on va faire? On va l'invoquer sur la bannière interdite. La bannière interdite. J'ai nommé la bannière arme. Ce soir, on va se faire plaisir. On va tout péter. On va tout péter et on va aller essayer de choper cette arme-là. Alors, pour le coup, il y a très peu de chances qu'on l'ait, mais je sais pas. Je sens que peut-être ce soir, c'est le moment. C'est peut-être le moment où le vent va tourner. Alors, je suis à une pity négative sur ce portail. Je crois que j'ai presque pas de pity dessus. On va le regarder quand même. On va le regarder quand même. Au niveau de la pity, on en est. Et la magnifique épée horloge qui ne sert strictement à rien. Mais voilà, bon. Le jeu qui me troll avec le jeu qui me troll avec parcimonie. Il m'a lâché une double épée horloge dans la même multi. Je suis éclaté de rire pour le coup. Ok. Ouais, du coup on a une pity qui est négative comme je le disais. On a une pity qui est négative. Let's go, j'y crois. Tu vas apprendre à lire les heures. Par contre, là c'est comment dire. Les 4 étoiles qu'on drop sont très très gays, je trouve. Hein. Pour le coup, je les trouve très gays, les 4 étoiles qu'on drop. Hein. La lance de Favonu, je l'ai. Oh l'eau. Ah là 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 là, ce jeu n'a pas changé. Hein. Ce jeu n'a pas changé. Ah, j'aurais bien aimé du jaune. Dommage, il n'y a pas de petite animation de fake out, vous savez. Genre, on voit pas qu'il y a un 5 étoiles, mais à la fin, il y a un 5 étoiles qui apparaît. Le pire portail de la Terre. Le pire portail de la Terre. Allez, let's go. On va aller jusqu'à notre dernière ressource. D'ailleurs, vous avez vu que MiHoYo ont donné une multi gratuite. Incroyable. Ils ont donné une multi gratuite. Les rats sont sortis de la grange. Ils sont sortis du sous-sol. Ils ont amené des primogèmes. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'entre temps, ils avaient fait des petits trucs avec les streamers et tout. Ah là 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 là. Allez, t'as pas le droit, t'as pas le droit de pas me lâcher l'épée le jeu. T'es obligé de me lâcher l'épée là. T'es obligé de me lâcher l'épée. Tu es obligé le jeu. Bon, on va aller chercher jusqu'à la dernière. Je crois on a peut-être chopé une single entre temps. Non, c'est pas possible ça. Hop. On a peut-être une single entre temps. Bon, je dépenserai pas d'argent, je vais pas vous mentir, on va être tout à fait honnête tous ensemble. Je ne dépenserai pas 1 euro pour ces invocations.
Pour la simple et bonne raison que j'ai plus mis d'argent depuis un long moment maintenant. Attendez, il y a un truc à récupérer là, non? Non, j'ai rien à récupérer ici. Allez, let's go! Pour les deux dernières singles, pour avoir du coup El Famoso EP. Oh, ça nous rajoute une single, ça. c'est pas si mal, ça nous rajoute une single pour le coup. C'est pas si mal, ça fait durer le suspense un peu. Ça fait durer le suspense en quelque sorte. Ça fait durer le suspense. Allez, on va venir acheter notre dernière pierre de la fatalité. Alors, à combien on est de pitié? Ah, mais on peut pas voir parce que ça s'actualise au bout de d'un certain moment. Mais je crois qu'on doit être pas loin des 50 invocations là. Ouais, on doit être vraiment pas loin des 50 invocations. Hein. Je pense qu'avec une multi de plus, il y aurait eu moyen d'avoir une pitié. Mais malheureusement, on va pas s'arrêter ici du tout. Je vais aller farm pour choper ce qu'il faut farm. On va faire un petit stream dessus. Là, on va aller choper ce qui manque. On va aller choper ce qui manque pour avoir la pitié. Let's go. J'ai donc fini de farm ce que j'avais à farm. J'en suis à 55-60 de pitié à peu près. Je n'ai pas eu l'arme pour le moment. On espère la choper. Je ferai des petites sessions de jeu, je pense, pour essayer de choper cette petite épée de Ito. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de contenu en ce moment sur la chaîne. Enfin, très peu. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, de temps en temps. Je compte. En fait, je réfléchis plutôt à faire un contenu qui est totalement différent. Pour rien de vous cacher sur la chaîne, je suis encore en pleine réflexion. Mais je suis pas contre de vous sortir des vidéos sur Genshin comme ça de temps en temps. Quand j'en ai envie, voilà. Quand j'en ai envie, donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner, ça ferait plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.